Nous sommes dans la plaine de la Beka, à l'ouest du Liban. L'hiver arrive et le froid saisit les réfugiés syriens qui vivent ici, sous des tentes ou dans des habitations précaires. Leurs conditions de vie sont fragiles, l'aide humanitaire insuffisante et leur santé en danger. Regardez, il y a de l'eau sur le sol. Il a plu cette nuit. Et ce matin, j'ai découvert toute cette eau. Je vis ici avec mon mari et ses parents. Et je suis enceinte d'un mois. Ce n'est pas bon pour moi, ce froid. D'après les résultats d'une étude menée par MSF en mai 2012, plus de la moitié des réfugiés vivent dans des logements insalubres et n'ont pas accès aux soins dont ils ont besoin. Il fait froid et les familles n'ont pas grand-chose pour se chauffer. À cause de tout ça, nous prenons en charge principalement des infections des poumons et des voies respiratoires. Récemment, il a fait très très froid et nous avons eu beaucoup d'enfants avec de fortes fièvres et des infections. Les équipes MSF présentes à Tripoli et dans la plaine de la Beka tentent de faire face à tous ces besoins. Distribution de couvertures, de fuel pour le chauffage et soins gratuits. Malgré tout, les structures sont régulièrement débordées et l'ONG augmente constamment sa présence sur le terrain.